Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus. Bonsoir. Comment vous allez? Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Voilà, ça fait plus d'une semaine que je ne suis pas sur les réseaux. Viviane dit bonsoir prophète, vous m'avez manqué. Merci, c'est gentil. Happy to see you, papa. Merci. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde suit ma voix? Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que votre journée, elle a été bien chargée de grâce et de faveur divine. Seigneur, merci pour ce moment. Nous prions que ta main soit avec nous. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Glorifie Jésus. Voulons être témoins de ta bonté dans nos vies. Je prie pour tous ceux qui sont connectés maintenant, pour tous ceux qui se connecteront après. Seigneur, glorifie ton nom et accorde-nous de découvrir de nouvelles dimensions dans ton esprit. En toi, Seigneur, nous voulons aller dans tes profondeurs et nous demandons ta grâce et ta faveur ce soir. Manifeste ton nom et manifeste ta gloire. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Donc, je disais que ça fait une semaine que je n'ai pas fait de direct depuis le jour de mon anniversaire, le 10 mai. Et je veux dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité le joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. C'est gentil, que Dieu vous bénisse. C'est vrai que je n'ai pas fêté mon anniversaire. Je n'ai pas bu un seul verre d'eau. Je n'ai pas mangé un bout de pain en l'honneur de mon anniversaire. J'ai plutôt préféré me retirer un moment pour penser sur moi-même, pour réfléchir, vous savez. En tant qu'homme de Dieu, pas seulement en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'être humain et en tant que serviteur de Dieu, bien enfant de Dieu, il est parfois important d'avoir un temps pour vous-même, pour parler avec vous-même, pour causer avec vous-même, pour faire une sorte de flashback, d'analepse. Vous faites un analepse sur votre passé, sur le parcours que vous avez déjà eu à faire. À 45 ans, je pense qu'on doit poser sa réflexion. 45 ans, vous êtes en train de redescendre déjà la pente. À 45 ans, vous êtes en train de descendre l'autre côté de la pente escarpée dans tous les cas. De ce moment de prise de conscience, un moment de réflexion profonde, de communion avec soi-même, d'examen. Est-ce que la mission que le Seigneur m'a confiée, est-ce que je suis en train de bien la remplir? Vous faites un analepse, un retour en arrière sur vos pas. Pour essayer de revoir vos empreintes, étudier chacune de vos empreintes, pour voir si vous avez suivi les pas du Seigneur. Et s'il y a quelques erreurs, on les rectifie. On prend conscience pour que l'avenir soit meilleur. Donc je pense que c'est un temps pour moi de réflexion parce que je me suis rendu compte que le temps passe vite. Le temps passe et on est en train de mourir. On retourne vers celui qui nous a fait. Chaque anniversaire, c'est un an de moins dans le nombre d'années que le Seigneur nous a confiées. Donc je pense que j'ai plutôt trouvé bon de me retirer pour faire un examen de conscience avec le Seigneur, faire un bilan de ma vie jusqu'à cet âge-ci, ma vie personnelle, ma marche personnelle avec Dieu, ma famille, le ministère. Est-ce que je suis à la page? Est-ce que je suis irréprochable dans l'œuvre qui m'a été confiée? Quelles sont les erreurs que je suis en train de commettre ou que j'ai commises? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Donc pour moi, c'était important de me retirer et répondre à ces questions. Vous savez que parfois, nous les hommes de Dieu, nous sommes tellement occupés à rendre ministère à l'Église que nous oublions que nous-mêmes, nous sommes des brebis. Que nous avons une histoire avec Jésus et que nous devrions avoir chacun une relation personnelle avec Dieu. On a besoin juste de prier, on a besoin juste de pleurer sur soi-même, de pleurer sur sa vie, de contempler l'amour de Jésus, revoir dès le début, dès le commencement de notre marche avec Dieu les choses extraordinaires qu'il nous a fait vivre. Son amour, sa bonté, sa patience, sa longanimité, son alliance, sa fidélité qui a été un bouclier pour nous. Et je vous dis, vous passez le temps à prier, vous passez le temps à pleurer, vous passez le temps à craindre le Seigneur dans son amour. Donc j'avais besoin de ce temps-là. Et je pense par la grâce de Dieu, le Seigneur me libère déjà. Et je serai à la nuit de prière vendredi, ce vendredi. Et je bénis ceux qui seront à la nuit de flamme à la Bire ce vendredi. Dieu se manifestera. Je dis merci à tous mes fils, à tous les leaders de l'Église qui ont su prendre soin du troupeau que le Seigneur m'a partagé. Ici, Dieu m'a aussi parlé de l'Église. Il m'a donné des recommandations par rapport à l'Église, surtout la Bire. Et je pense que quand je vais rentrer, je vais mettre un peu les choses en ordre. Ouais. Donc, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais aborder un sujet qui me tient à cœur. J'ai pris le temps pour essayer de regarder, j'ai prié aussi là-dessus, j'ai demandé à Dieu de m'aider à communiquer là-dessus, à savoir comment parler. C'est le sujet du prophète Emmanuel Dzoma du Gabon, mon jeune frère, notre bien-aimé. C'est un problème qui me fait beaucoup mal, vous voyez. C'est un problème qui me fait mal. Mal pourquoi? À cause de ce que l'Église de Jésus-Christ est devenue aujourd'hui. À cause de ce que l'Église est devenue aujourd'hui, c'est compliqué. Vous savez, dans mes méditations personnelles sur le malheur de l'Église, je me suis rendu compte que Facebook, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Messenger, toutes ces choses-là, WhatsApp et consorts, cette révolution technologique n'est pas venue sans faire du mal à l'Église. Avant que les réseaux sociaux n'existassent, l'Église était plus en paix en fait. L'Église était plus stable. Les problèmes de l'Église n'étaient pas vendus au monde, comme ça l'est aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème dans une Église, les non-croyants récupèrent cela, tout le monde dit ce qu'il veut dire. Les gens vocifèrent, chacun y va selon ce qu'il pense. Et ça fait que les problèmes de l'Église, selon l'apôtre Paul, qui devraient être résolus dans l'Église et par les anciens, aujourd'hui sont résolus par les païens. Et parfois même sont vilipendés par ceux qui se disent enfants de Dieu ou bien même serviteurs de Dieu. Donc Facebook a fait en sorte que l'enclave qui était le partage de l'Église avant, cette sécurité, cette enclave sécuritaire, n'existe plus. Vous voyez, avant, quand il y avait un problème dans une assemblée, ça restait dans l'assemblée. Peut-être c'est quelques frères qui pouvaient faire sortir, déborder le sujet pour une autre église. Quand un problème se passait dans un pays, il était difficile que le problème puisse traverser les limites, les barrières, les frontières du pays. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème, à peine il y a un problème, que le problème est déjà répandu dans le monde entier à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont leur côté positif et leur côté négatif vis-à-vis de l'église en fait. Mais l'Église a beaucoup souffert des réseaux sociaux. C'est moins pour prêcher l'Évangile, c'est vrai. Mais on a plus vu la honte de l'Église que la gloire de Jésus-Christ à travers son Église dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc c'est pas inspirant pour plusieurs. Les réseaux sociaux, dans leur avènement, ont détruit la foi de beaucoup d'enfants de Dieu et ont rendu certains métis dans leur foi. C'est-à-dire, les réseaux sociaux ont provoqué un métissage de la foi. Savez qu'aujourd'hui, trouver la foi authentique, c'est difficile parce que les enseignements vont dans tous les sens contradictoires et ça trouble. Si vous n'avez pas Jésus en vous et le Saint-Esprit, vous serez perdu en fait. Il m'a semblé bon de revenir sur ce problème qui a chauffé sur les réseaux sociaux concernant le prophète Emmanuel Dzoma du Gabon. J'ai pris le temps pour suivre un peu ce qui se passe. Après qu'il soit allé en prison pour quelques mois, je me souviens à cette époque-là, quand j'ai parlé à Yaoundé, lors du culte des familles, j'avais dit qu'il sera libéré. Il y a des gens qui m'ont insulté, qui ont dit non, ça c'est n'importe quoi. Lorsque la parole de la prophétie a été accomplie, personne n'a parlé. Personne n'est revenu pour dire, ah non, le prophète avait annoncé, ah les prophètes ils sont vrais. Donc quand il parle là, Dieu veille sur ça. Et après qu'il soit sorti de la prison, je pense qu'il s'est battu avec... il s'est battu pour s'en sortir un peu de ce pétrin. Et après, il y a eu un autre scandale qui est arrivé, celui de la jeune dame qui a fait des déclarations disant qu'elle était enceinte de lui et la grossesse durait 20 mois. Et puis là encore, ça a eu un rebondissement. Un rebondissement d'abord parmi les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui ont pris cela comme un sujet de joie pour en finir avec le frère. Je voudrais être clair sur le sujet. Que les gens comprennent ma position. Certains disent que je soutiens le prophète Emmanuel Dzoma. Ce n'est pas une histoire de soutenir un homme dans ses erreurs, non. Je soutiens la justice. Je condamne le péché. Ça, je ne joue pas avec le péché. Nous ne tolérons pas le péché, l'iniquité. Un homme de Dieu doit être un exemple et un modèle pour son troupeau. On ne peut pas soutenir qu'un homme de Dieu puisse mener une mauvaise vie ou qu'un homme de Dieu puisse coucher avec ses filles dans son église ou hors de l'église, etc. Je crois fermement qu'un homme de Dieu doit être un exemple de bonne moralité, un exemple de sainteté, de consécration, de pratique de la parole de Dieu et de discipline. Donc, à cause de cela, nous ne pouvons pas soutenir un homme de Dieu ou les hommes de Dieu qui vivent dans le désordre ou qui vivent mal. On ne peut pas soutenir le péché dans tous les cas. Mais il y a des implications qu'il faut que l'Église comprenne. Parce que l'Église est en train de perdre la chose. La maturité de l'Église est en train de la perdre. Dernièrement, quand je suis venu avec le prophète Kamto ici, quand on avait voyagé pour la Côte d'Ivoire à l'époque, je pense que c'était le mois passé, nous sommes arrivés, quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, il y a une de mes filles ivoiriennes qui est venue me rendre visite. Et lorsqu'elle m'a rendu visite, elle est venue dans ma suite et elle m'a fait des propositions pour mon bien. Elle m'a dit, papa, vous travaillez beaucoup et pour cela, je peux vous trouver deux jeunes femmes qui vont prendre soin de vous, vous masser et prendre soin de vos biens. Je lui ai dit que je n'ai pas besoin de cela en fait. Je n'ai pas besoin de ça. Et elle m'a dit, bon, mais si vous ne voulez pas les jeunes filles là, moi-même je peux me charger de vous. Je lui ai dit non. Je ne suis pas ce genre d'homme de Dieu. On n'a pas besoin de cela. J'ai écrit au prophète Kamto et il est venu. Je lui ai dit que viens, c'est mauvais, viens, reste avec moi jusqu'à ce que la jeune dame parte. Et il est venu, on a raccompagné la jeune dame. Et puis le lendemain, elle est revenue avec notre dame. Et dans tous les cas, elle m'a dit qu'elle voulait que je rencontre certains hommes de Dieu. Je lui ai dit que je comprends que c'est comme ça que vous fonctionnez. Quand les hommes de Dieu arrivent, vous leur trouvez des jeunes femmes qui dorment avec eux. Mais je lui ai dit, nous avons une autre vision du ministère. On veut marquer notre génération, mais de la bonne façon. On veut laisser des empreintes. Nous voulons que les générations qui viennent puissent compter sur nous, qu'elles trouvent un modèle, un exemple. Et je lui ai dit, tu vois la manière dont je travaille dans le ministère, la grâce prophétique que je manifeste. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit que ça a un prix. Et ce prix s'appelle la consécration, la sainteté et une vie de discipline dans tous les cas. Donc, je lui ai dit que je comprends que c'est comme ça que vous vivez ici. Et le prophète comme témoin a longuement parlé là-dessus, on a partagé dessus. Et voilà un peu. Vous voyez, c'est ça l'église. On ne peut pas soutenir une telle vie. Je crois qu'un homme de Dieu doit être un exemple, un baromètre sur lequel d'autres personnes peuvent s'appuyer pour s'inspirer en ce qui concerne leur vie de consécration et leur vie personnelle avec Dieu. Donc, que ce soit clair, je ne soutiens pas le péché, je ne soutiens pas les erreurs des hommes de Dieu et du prophète Emmanuel Dzoma. Mais je voudrais juste rentrer dans la déontologie des méandres, de la déontologie du ministère et de l'église. C'est important de le savoir. Il y a des choses qu'il faut que l'église comprenne. Déjà, il faut dire que le prophète Emmanuel Dzoma, je le connais dans une vision. C'est dans une vision, c'est par révélation que je le connais, que j'ai son témoignage de Dieu. Alors, c'était à la veille de notre culte de famille. Je n'avais même pas prié pour lui. Mais j'entendais les histoires de la prison et tout ça. Et cette nuit, pendant que je dormais, j'ai eu une grande vision. Et dans cette vision, je vois mon jeune frère dans des problèmes sérieux. Et il y avait une conspiration et d'empoisonnement. Le Seigneur m'a dit dans la vision clairement, quand tu arrives à l'église demain, la première des choses que tu dois faire, prier pour mon serviteur. Je m'a dit cela, il faut prier. Avant de faire quoi que ce soit, prier pour lui. Dans cette vision, j'ai vu deux choses. Et pour ceux qui sont attentifs à ce que j'avais dit ce jour-là, j'ai dit que l'autre partie de la vision est privée. C'était du ressort de sa vie privée. Donc, la partie publique, j'ai prié avec l'église. Et après, j'ai appelé mon frère. Et nous avons discuté et je lui ai donné la partie privée. Et je lui ai expliqué. Et je lui ai expliqué aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu public. Et je pense qu'on peut en parler. J'ai prié avec lui. J'ai parlé avec lui. Et je lui ai expliqué clairement que dans la vision que j'ai eue sur toi, la première partie, c'était de prier pour toi par rapport aux affaires que tu avais avec la prison. La deuxième partie, c'était ta vie sentimentale. Et je lui expliquais clairement que dans la vision, je l'ai vue avec une jeune femme. Mais ce qui s'est passé avec cette jeune femme, il y avait des ombres. Ce n'était pas bien dans tous les cas. Et je lui en ai parlé un peu longtemps après la vision. Je lui ai dit que j'ai vu une jeune femme. Et puis, c'était quelque chose qui n'était pas connu, ce n'était pas public, c'était privé. C'était comme des fiançailles, une relation sur laquelle tu comptais, ou je ne sais pas trop. Et je lui ai parlé, on a partagé là-dessus. Il m'a dit, pardon, il faut m'expliquer encore bien la vision. Je lui ai expliqué la vision. Et quelque temps après, il y a eu ce... J'ai vu une jeune dame qui est sortie, qui a dit qu'elle est enceinte de lui de 20 mois. Et ça m'a rappelé ce que j'avais vu cette nuit où le Seigneur m'avait dit de prier pour lui. Et je suis retourné vers lui et j'ai parlé encore avec lui. On a discuté ensemble. Et je lui ai dit, voilà, tu te souviens, je t'avais parlé d'une jeune femme comme ça. Lui-même m'a dit, oui, tu m'avais parlé et voilà. Ce qui s'est passé, il m'a donné sa version de l'histoire. Je lui ai dit, reste tranquille, reste d'abord tranquille, il ne faut pas parler. Donc, j'ai compris donc qu'il y avait un piège que le diable lui avait tendu par rapport à sa vie sentimentale. Beaucoup de gens ont dit c'est un faux prophète. C'est un faux prophète, c'est un faux prophète, c'est un faux prophète. Il a enceinté, une femme. D'abord, il a fait un faux miracle et puis il a enceinte une femme. Je répète encore, je ne soutiens pas les péchés du prophète Emmanuel Dzoma. Je ne supporte pas ses erreurs ou ses iniquités. Mais il y a des choses que l'Église est en train d'abandonner. Voilà un frère qui traverse un moment compliqué. Demain, on ne sait pas qui ce sera. Mais tout le monde l'abandonne. Personne ne veut en parler. Tout le monde laisse le problème. Personne ne veut se salir. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on doit considérer. Je veux parler à l'église de Dieu au Gabon et l'église de Dieu en général. Les gens doivent comprendre. Parce que lorsque j'ai parlé, on a prié pour lui. Il y a des hommes de Dieu, même au Gabon, qui sont fâchés. Le prophète Ekane Ferdinand, il soutient le prophète Emmanuel Dzoma. Pourtant, c'est un sorcier. Mes amis, moi-même, on dit que je suis sorcier. Il y a des gens qui sont convaincus que je suis un sorcier. Mais vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur des utopies, mes amis. On ne peut pas condamner quelqu'un sur des songes que j'ai rêvé. J'ai rêvé que tu as les cornes. Si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est normal que tu rêves que la personne a des cornes et des sabots. Tu ne peux pas rêver d'une personne que tu hais, que c'est un ange. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. On ne peut pas, mes amis, à cause des choses comme celle-là, que ce soit le prophète Emmanuel Dzoma, que ce soit la jeune dame qui souffre de cette grossesse de 20 mois et qui est à l'hôpital et qui elle-même a dit que le médecin n'a rien vu, les deux sont des âmes qui doivent être sauvées. Le prophète Emmanuel Dzoma, c'est encore un enfant, c'est un jeune homme. Et l'onction et la grâce qu'il porte sont au-dessus de son âge. Il faut que les gens comprennent cela. Un faux prophète, vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'histoire de la grossesse ou bien l'histoire d'une jeune femme. Supposons qu'il ait enceinte la jeune femme. La version qu'il m'a donnée est différente de ce que la jeune dame a donnée. Moi, je ne veux même pas parler de cela ici, parce que c'est sa vie privée en fait, et je la respecte. Mais vous ne pouvez pas, mes amis, me dire, même s'il avait couché avec la femme là, dire qu'il est un faux prophète. Ça, je dis non. Je vais être juste avec ma conscience et juste avec l'enseignement de la Bible. À la lumière des Saintes Écritures, il y a combien de pasteurs là dehors qui condamnent ce jeune homme qui vivent eux-mêmes dans l'adultère? Combien? Vous-même les chrétiens qui suivez là, qui faites les commentaires. D'autres font les commentaires avec les préservatifs dans leur poche. Les hommes de Dieu sont des êtres humains. Et je répète encore, un homme de Dieu ne doit pas prendre plaisir au péché. Un homme de Dieu ne doit pas vivre dans le péché. Parce que le péché est un ennemi du salut que Christ nous a apporté. Notre voie, c'est la consécration, la sainteté, la sanctification. Mais ça n'annule pas qu'il arrive qu'un frère se trouve dans une erreur. Bibliquement, mes amis, on ne peut pas dire d'un homme de Dieu qui a enceinté une femme qu'il est un faux homme de Dieu. On doit le punir pour cela. On doit le punir pour cela. On doit aller même lui dire non frère, assois-toi, tu ne prêches pas pendant 6 mois, pendant 1 mois, tu ne prêches pas pendant 1 an, assois-toi d'abord pendant 3 mois, assois-toi, nous on va prendre soin de ton église, c'est ce qui devrait être fait. Frère, ce que tu as traversé là, vraiment tu as besoin du retrait personnel. Ton ministère, nous, tes frères, tes grands frères ou nous, tes parents, nous te demandons de t'asseoir pour 6 mois au moins, ou pour 3 mois, pour 1 an. Maintenant, nous allons prendre soin de ton église. On prend soin de son église. On prêche, on soutient son assemblée, on fortifie les frères. Parce que mes amis, la Bible dit frappe le berger et les brebis se disperseront. C'est quoi finalement un faux prophète? Si nous ne soutenons pas nos bergers, il dit frappe les bergers et les brebis se disperseront. C'est ça le but du diable en fait, frapper les bergers. Que ce soit le prophète Dzoma, que ce soit la jeune dame avec qui il a été, et qui a dit qu'elle est enceinte de 20 mois de lui, les deux, leurs âmes sont précieuses devant Jésus-Christ. Christ est mort Pas pour ceux qui sont en santé, mais pour ceux qui sont malades. Christ est venu, pas pour perdre. Il a dit qu'il n'est pas venu perdre. Mais l'église d'aujourd'hui, dès que vous commettez une erreur, pam, on vous balance, on vous déracine. On vous jette. C'est un faux prophète. Qui vous a dit qu'un prophète qui est tombé dans l'adultère est un faux prophète? C'est que beaucoup d'enfants de Dieu là sont des faux enfants de Dieu aussi. Parce que les choses qui se passent, et même les hommes de Dieu qui condamnent et font la propagande là, du faux de ce jeune homme. Vous partez, vous voyez dans le secret, Dieu qui sont les cœurs et les reins. Vous allez voir que beaucoup mènent des vies sales. Non mes amis, on ne peut pas. Sinon David ne serait pas appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, je ne peux pas accepter ça. Si quelqu'un est d'accord avec moi, c'est son problème. Il n'est pas d'accord, c'est son problème. Vous me taxez de tout. Mais je vous dis encore que l'amour de Christ est en train de finir dans l'église. L'amour, la miséricorde. Jésus a dit de donner miséricorde afin d'obtenir miséricorde. Il dit d'aimer ton frère. Il dit si tu trouves ton frère péché, va vers lui, parle de ton frère. Parle à ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends 2 témoins, va et parle. C'est une âme mes amis. C'est un héros dans l'église de Jésus. C'est un soldat dans le champ qui doit être sauvé. La jeune dame, c'est une brebis qui doit être sauvée. Maintenant, lorsque l'affaire a commencé entre les deux, je ne sais pas dans quelle intention ils sont allés. C'est un célibataire. Il peut se mettre en couple, en relation avec qui il veut. L'apôtre Paul a dit, où n'avons-nous pas nous aussi le droit d'emmener avec nous une sœur, comme le font les autres apôtres, comme Céphas. Il est célibataire. C'est normal qu'il se retrouve dans une situation où il est avec une jeune femme, il la côtoie, il se côtoie pour savoir le comportement, caractère, etc. Je ne sais pas si c'est dans cette optique, on ne peut pas le condamner pour cela en fait. On ne peut pas. Maintenant, il y a eu des problèmes entre eux. Quand ils ont commencé, on n'était pas là. Nous n'étions pas présents. Pourquoi à l'époque, elle n'a pas dit que oh, je suis avec le prophète Emmanuel Dzoma, c'est bon entre nous? Ou lui, pourquoi elle n'a pas dit ah, je suis avec une petite là, je suis en train de voir comment je vais l'épouser? Ils n'ont pas dit ça, c'était une entente entre les deux. Pourquoi quand ça se gâte, ça devient public? J'ai parlé avec le prophète Emmanuel Dzoma, je lui ai dit clairement que si tu as négligé la jeune dame là, c'est une grave erreur que tu as commise. Tu ne devrais pas la négliger. Tu ne devrais pas, tu devrais prendre soin d'elle. Prends soin d'elle. Parce que l'histoire de la grossesse, on a regardé à l'hôpital, on ne voit rien. Moi, ma mère, ma propre maman a une grossesse de près d'1 an et demi. Ce n'était pas l'enfant. C'était les fibromes, les kystes et les myomes. À l'époque, c'est papa Nestor Toukéa qui est arrivé à Danfili. La porte Nestor Toukéa, on est encore la vraie église. Celui qui a dit, qui a délivré ma mère, il lui a donné une bassine d'eau, il a dit lave ta main et dis que Seigneur, tu m'as donné des enfants, des petits-fils et des arrière-petits-fils. Donc je ne veux pas de maladie à mon âge. Vraiment, sors ces choses de moi. Et le lendemain, elle est allée aux toilettes, pam, c'est sorti. Son ventre est redevenu normal. Elle avait les symptômes, ça bougeait. Son mari à l'époque savait qu'elle était enceinte. Mais maman n'était pas enceinte. À l'hôpital, on ne voyait rien. Et son mari était un infirmier diplômé d'État. Et je connais une autre tantine, quand j'étais enfant, qu'on appelait bébé, tantine bébé, qui était enceinte depuis plus de 3 ans. Mais c'était les myomes en fait, c'était une maladie. Donc ce n'est pas une histoire de mystique, voyez. Ce n'est pas bon que quand dans une relation sentimentale où vous avez commencé à 2, maintenant ça se gâte, commencez à accuser l'autre que non j'ai rêvé, il est venu prendre le bébé et tout ça. Nous on est mature en fait. Non, si l'hôpital dit que ce n'est pas les enfants, peut-être il y a de l'eau dans le ventre, je ne sais pas trop quoi, il faut une opération, il faut faire l'opération. Et j'ai dit aux frères, au prophète Emmanuel Dzoma, il devrait prendre soin de la jeune dame. Même s'il y avait quoi, même s'il était fâché comment, c'était gâté entre eux, il devrait l'accompagner jusqu'à ce qu'on prenne soin d'elle sur le plan médical, etc. Qu'il prenne soin de qui pour voir ses besoins jusqu'à ce qu'elle puisse sortir. Parce que si dans une relation sentimentale, vous n'aboutissez pas au mariage, ne devenez pas des ennemis. Ne devenez pas des ennemis parce que c'est ridicule en fait. Ne devenez pas des ennemis. Ne venez pas vous insulter sur les réseaux sociaux comme si un jour vous ne vous entendiez pas, vous n'étiez pas amis. Voilà. Donc c'est pour dire que les bases sur lesquelles on doit s'arrêter pour juger un homme de Dieu de faux ne sont pas elles ne sont pas encore atteintes. Elles ne sont pas atteintes. Il y a beaucoup de frères dans nos églises qui enseignent les sœurs. Il y a beaucoup de sœurs qui avortent dans nos églises. Si Dieu veut sortir les dossiers des gens dans l'église, je vous dis la vérité, vous auriez honte même d'aller dans nos églises. Maintenant, c'est un homme de Dieu. Le cas est arrivé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le déraciner et le jeter hors de l'église, qu'il aille en enfer? Non, mes amis, ça, on ne peut pas accepter ça. Non, non, je ne peux pas. Ma conscience ne me permet pas d'accepter cela. C'est un petit frère et je lui parle avec sincérité. Je lui parle avec fermeté et je lui donne des conseils. Et je lui dis mes avis. Il a beaucoup d'amis, beaucoup de frères qui l'ont abandonné en ce moment. Non, mes amis, c'est pas comme ça que l'église devrait fonctionner. David n'était pas un homme parfait, mais Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Il a tué Uri, le mari d'autrui, et il a couché avec sa femme. J'ai cru qu'en se repentant, il laisserait la femme tranquille. Après avoir tué son mari, il a pris la femme, il n'a même pas doté, il n'a pas vu ses parents. Il a continué dans l'erreur. Et voilà pourquoi même dans les généalogies du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit clairement que David a eu Salomon de Bathsheba, la femme d'Uri. C'est-à-dire que même ceux qui écrivent le Nouveau Testament ont refusé de reconnaître que David est la femme, est le mari de Bathsheba, ou que Bathsheba est sa femme. La Bible dit clairement dans le Nouveau Testament que David a eu Salomon de la femme d'Uri. Donc on ne reconnaît pas ce mariage. Mais là, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Sur quelle base? Vraiment, je ne sais pas. Quand vous lisez par exemple dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc la Bible parle ici de l'histoire d'un frère dans l'église de Corinthe qui a couché avec la femme de son père. Ce n'était pas sa mère, certainement son père avait une jeune femme. Il a couché avec elle. Et l'apôtre Paul dit quoi? Il faut l'excommunier, il faut le punir par rapport à son péché. Il a commis un acte infâme. Il doit être puni pour cela. Il doit être puni pour cela. Mais il dit quoi? Livrez-le à Satan, c'est-à-dire l'excommunication. Qu'il soit coupé de l'église. Qu'il ait un moment d'affliction, qu'il se rende compte qu'il a mal agi, que ce qu'il a fait est très mauvais, c'est même méchant, on ne le fait pas. Tu ne peux pas aller coucher avec la femme de ton père. Il a commis l'adultère. Mais qu'est-ce que Paul dit? L'apôtre Paul explique qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quand il dit pour la destruction de la chair, ça veut dire quoi? On le punit pour que ce désir-là, la chair qui a pris domination sur lui-là, soit crucifiée avec Jésus. Que sa chair-là soit détruite. Que ses passions charnelles et sexuelles soient détruites. Parce qu'on parle de la chair, c'est-à-dire c'est le côté animal de l'homme qui se lève. Ton côté charnel-là, lorsque la chair prend le dessus sur l'esprit. Il dit que la chair, parce que la chair a pris le dessus sur lui, on doit l'excommunier, on doit le punir, pour que cette chair soit crucifiée avec Christ et que l'esprit soit sauvé, que l'esprit soit sanctifié, que la chair qui a pris la domination sur l'esprit puisse être crucifiée et que l'esprit revive et reprenne sa place en fait. Donc lorsqu'un frère commet un péché comme celui dont on est en train de parler aujourd'hui, sa chair, on doit l'aider à crucifier sa chair. On ne doit pas le jeter à la poubelle, on doit l'aider à mourir dans sa chair. On doit l'aider à tuer sa chair. On livre, c'est-à-dire on le livre à Satan. C'est-à-dire qu'on dit livrer à Satan là, ça veut dire mettre le frère dans une condition où il se rend compte que ce qu'il a fait est sérieux, c'est grave. Il prend conscience. Il demande pardon à Dieu. Il prend un temps de retraite personnelle dans le jeûne et dans la prière pour se repentir et prendre des résolutions fermes et fortes pour soumettre sa chair pour que l'esprit vive et que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et lorsque l'apôtre Paul a a pris cette décision, il a puni le frère. Dans le deuxième chapitre, dans le deuxième livre qu'il a écrit aux Corinthiens, l'apôtre Paul va réécrire maintenant. Il va se souvenir de ce frère-là. Il va réécrire dans son deuxième livre aux Corinthiens et il va demander qu'on relève ce frère qui avait couché avec la femme de son père, de peur que l'excès de punition, la punition ne mettant très long, que Satan ne prenne avantage sur le frère. Donc bien aimé, pour qu'on qualifie un homme de Dieu, un faux prophète, c'est sérieux. Un faux prophète doit être distingué d'un vrai prophète qui a des faiblesses en fait. Est-ce que vous comprenez? Un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Ça, c'est un faux prophète. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la Bible. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la crainte de Dieu ou la vie de sainteté ou de sanctification. Il s'en fout. Il mène une vie de péché. C'est un païen. Un faux prophète. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui confesse de la bouche le nom de Jésus, mais qui dans son cœur renie Jésus-Christ. Sa vie n'est en rien conforme aux saintes écritures. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui fait allégeance à Satan, qui a des pratiques occultes. Donc, je pense que l'Église doit comprendre que nous avons perdu beaucoup de nos héros. Lorsque vous regardez dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas être là, mais qui ont fait partie de la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. La Bible appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Or, Juda, qui est le fondement même de la tribu du Seigneur Jésus-Christ, allez prendre les... Vous vous souvenez de l'histoire avec Tamar. Juda, le père de la lignée généalogique du Seigneur Jésus-Christ, de temps en temps sortait, il dit à sa femme qu'il part travailler, mais il partait coucher avec les prostituées. Et c'est comme ça qu'il allait coucher avec Tamar, sa belle-fille, pensant que c'était une prostituée. Et quand on va venir lui dire que sa belle-fille est enceinte, il demande qu'on la tue. Et c'est ça en fait l'homme. L'homme ne voit pas son péché à lui. Voilà pourquoi Jésus a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La paille c'est petit, mais la poutre c'est gros. Donc l'homme dans sa nature est très égocentrique. Tu vois, quelqu'un condamne quelqu'un, mais sa part de péché devant Dieu est plus grave même que pour le frère ou bien pour la soeur. Moi je pense que ce soit le prophète Emmanuel Dzoma, que ce soit la jeune dame, les deux sont des enfants de Dieu à récupérer. C'est des enfants de Dieu à sauver. Chacun d'eux doit reconnaître qu'il a commis le péché, qu'il a commis une iniquité, qu'il y a une faute qui a été commise et prendre un moment de retrait devant Dieu. Ne pas avoir le caractère et le comportement d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui, au lieu de prendre l'occasion du reproche comme une occasion de repentance et de retour vers le Seigneur, se sont accusés mutuellement. C'est une mauvaise habitude. C'est une habitude héritée de nos parents, nos grands-parents dans le jardin d'Éden. Et c'est une grave erreur. Je pense que ce soit la jeune sœur, si elle est en train de m'écouter, jeune sœur, vous avez besoin vous aussi de vous repentir parce que vous êtes une servante de Dieu. Je comprends, je peux comprendre pour une femme qui soit avec un homme qui soit dans votre situation et que l'homme ne prenne pas soin de vous ou bien vous envoie balader. Si tel a été le cas, et que l'homme ne prenne pas soin de vous, ne vous aide pas financièrement, vous en sortir et tout, ne vous appelle pas pour savoir ça va comment et tout, je pense que c'est pas bien, c'est injuste. C'est une attitude qu'il faut clairement condamner, elle n'est pas bonne. elle est très mauvaise. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je pense que tout ce que je peux vous dire, c'est de pardonner. De pardonner. Et l'autre aussi a été blessé, c'est aussi de pardonner. Mais que chacun de vous puisse se repentir. Et le Seigneur vous pardonnera. Vous repentir, au lieu d'être orgueilleux, d'être chacun sur sa position de justice et tout cela, non, c'est bon parfois de s'arrêter. De regarder en arrière. De regarder en arrière. De pleurer sur ses erreurs. David a dit, pardonne les péchés de ma jeunesse. Je pense que il faut que chacun de vous s'arrête pour reconnaître qu'il a mal agi en fait. Que chacun d'eux se repente. Chacun d'eux cherche les voies du Seigneur, à retourner vers le Seigneur Jésus. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'on a péché, c'est bon de reconnaître qu'on est tombé, qu'on a mal agi et de demander pardon au Seigneur. Il est miséricordieux, il viendra à notre secours. Mais, je dis encore, on ne peut pas, mes amis, déraciner quelqu'un pour une histoire de grossesse. C'est grave. La situation est très grave, elle est très sérieuse. Elle est même dangereuse. Elle est très dangereuse, elle est déstabilisante. Mais pas suffisante pour envoyer les gens en enfer. Les deux ont besoin de salut, besoin d'amour. Vous voyez, quand quelqu'un traverse ce moment difficile, parfois nous ne connaissons pas ce que la personne endure comme souffrant dans son cœur. Ce moment de prier pour le frère et de prier pour la sœur. De les exhorter à l'amour de Christ et à se souvenir de ce que la Bible nous donne comme recommandation en tant qu'enfant de Dieu. Je pense pour ma part que c'est ce que j'ai appris du Seigneur Jésus-Christ. S'il est arrivé qu'un frère soit trouvé dans l'erreur, la Bible dit que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Parce que tu ne sais pas comment ton demain sera. Demain, ça pourrait être toi ou bien moi. J'imagine que demain, je me retrouve dans une situation comme celle-là, où j'enseigne une femme, et puis la femme vient avec la grossesse, elle dit que je l'ai abandonnée et tout, mais les gens vont me crucifier. En ce moment-là, j'ai juste besoin de quelqu'un qui prie pour moi, quelqu'un qui me dise « Courage, frère ». Mais quand ça n'arrive pas, le diable peut profiter de la méchanceté des cœurs de l'Église pour en finir avec les deux. On va dire à la fille, non, porte plainte, monte. On va dire aussi au frère, toi aussi porte plainte et monte. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Quelle est la déontologie comportementale? Quelle est la règle que la Bible nous dit? La Bible dit même, interdit aux croyants d'aller porter plainte devant les païens. Parce qu'un païen ne peut pas juger des croyants. Il va nous juger sur quelle base? C'est nous qui jugeons les païens en fait. Mais on porte les affaires de l'église, on les amène devant des gens. Mais tu vois une femme qui danse, ses seins sont d'abord dehors, ses fesses sont dehors même d'abord. Et on lui pose les problèmes des enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu eux-mêmes qui apportent. Et c'est une honte en fait pour l'église. C'est une honte. Ce problème devrait être réglé par le père de l'église au Gabon. Ça va être résolu par les pères de l'église au Gabon. Je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est-à-dire que nos pères devraient nous convoquer. Donc, viens, il y a des choses. On dit à la femme, qu'est-ce qui se passe? Vous expliquez, on dit, ok, fils, toi tu as très mal agi ici. Voilà, toi-même, la fille, tu as mal agi, il fallait refuser. Et je parle aux sœurs qui draguent les hommes de Dieu. Je ne dis pas qu'elle a dragué l'homme de Dieu, c'est une parenthèse. Est-ce que vous comprenez? Je parle aux femmes, à nos filles qui nous draguent, pour après aller crier dehors. Que non, on ne prend pas soin d'eux, non, nous sommes mauvais et tout cela. Non, non mes amis. Si tu commences une histoire avec un homme de Dieu dans le secret, finissez dans le secret. Ne venez pas nous déranger après, quand ça se gâte entre vous. Parce que vous nous avez exclus, quand c'était bon, continuez, continuez, quand c'est mauvais. Ça n'a aucun sens. Donc moi je pense que c'est un peu ça. Les femmes doivent faire attention. Protégez vos pasteurs, protégez-nous. Il faut nous protéger, on a besoin de cela en fait. Donc je pense que l'église, ce qu'elle devrait faire, c'est de prier pour les deux. On ne peut pas jeter la pierre sur un, on laisse l'autre. Si on jette les pierres, on jette sur les deux. Si on a fait des reproches, on fait les reproches aux deux. On a donné une exhortation, non l'exhortation de passer, les deux étaient dans l'erreur. Si ça avait marché entre eux, on ne serait pas ici, on ne parlerait pas sur les réseaux sociaux, on ne dirait pas ça. Donc moi je pense que les deux âmes sont à sauver. Pour ceux qui disent que non, c'est la sorcellerie, il est arraché par la sorcellerie, vous devez apporter les preuves de la sorcellerie. On n'accuse pas quelqu'un sur la base des imaginations. La sorcellerie quand même, c'est une accusation grave mes amis. Quand tu nous dis que quelqu'un est sorcier, tu dois venir avec les vidéos de la pratique de la sorcellerie. Donc ça c'est important. Quand tu dis que quelqu'un est sorcier, viens avec la vidéo là. D'abord tu as d'abord fait comment pour savoir qu'il est sorcier, parce que si les sorciers se rencontrent entre eux, tu as fait comment? Si quelqu'un est sorcier, tu ne peux pas venir me dire que la seule est sorcière et je te crois sur parole. Mon ami, ta parole c'est pas l'évangile. La seule personne en qui je crois c'est Jésus. Même Jésus-Christ a dit, si vous ne croyez pas moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Il a monté des œuvres en fait. Il y a des œuvres, des preuves. Des preuves qui prouvent que ce que je dis est vrai, sincèrement. Mais vous ne pensez pas que vous allez venir sur les réseaux sociaux et dire, oh non, tel est sorcier, et nous on vous croit. Oh, j'ai rêvé que tel, ton rêve, ce n'est pas la parole de Dieu, mon ami. Ta parole, ton rêve, ce n'est pas l'évangile. Je suis désolé pour ceux qui prennent les rêves de certaines personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour dénigrer les hommes de Dieu, dénigrer tel ou tel, dire que j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Qui te dit que la personne qui a un rêve là n'est pas sorcière? Sincèrement, donc bien aimé, nous devons comprendre, on ne vient pas accuser quelqu'un sur la base d'un rêve. Si quelqu'un est sorcier, tu viens sur Facebook ou tu viens sur les réseaux sociaux, apporte-nous les vidéos. Dis, je vais vous montrer les vidéos. Le voici ici. Ça, c'est qui? On dit que c'est lui. Ah, il est en train de faire quoi? On dit, ah, donc, oui, il pratique la sorcellerie. Sincèrement, c'est sérieux. Là, je te crois. Mais tu ne peux pas venir sur la base des stéréotypes, parce que tu n'aimes pas quelqu'un, tu soupçonnes. Je prends des exemples. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur moi, que moi, je suis un sorcier. Et ces vidéos que j'ai regardées, et j'ai beaucoup ri. Parce que c'est amusant. Vous voyez, une dame, il y avait le protocole autour de la voiture, du coup, le Saint-Esprit lui a dit, ça c'est un faux prophète. Ah non, mes amis. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. L'autre dit, non, elle a rêvé. Ouais, c'est pas sérieux ça. Donc moi je pense que Dieu doit nous aider à comprendre. À comprendre. Et lorsqu'il y a un problème comme celui-là, il faut écouter les deux. C'est important d'écouter deux personnes. C'est important d'écouter les deux personnes. Donc voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vais répondre à un commentaire avant de partir. On a Louis Blessing, c'est Louis, hein? Louis Blessing, je ne sais pas si vous êtes enfant de Dieu ou pas. Elle dit, Emmanuel, t'as payé combien? Et elle dit encore, et les preuves, elle dit, tu mens. Non, elle dit, vous mentez, c'est bien, au moins elle vous voit. Bon, Louis Blessing, c'est bien quand même, parce que vous êtes bien éduqué. Si vous pouvez m'insulter, ma mère vous voyant dans le respect, m'insulter avec respect, c'est bien. Mais je vous dis que cette façon de penser, nous n'allons pas l'accepter, Louise. Nous enseignons l'amour de Christ. Et je l'ai dit, je le répète, la jeune dame, elle a apporté des preuves qu'elle était avec le prophète. Ça c'est clair. C'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler de faux prophètes. C'est quoi un faux prophète? Donc si ça ne vous suffit pas, je pense que je n'ai plus rien d'autre à vous donner. Et Louis Blessing, il faut savoir que le pardon est une grande puissance. Même si quelqu'un vous a tué quelqu'un, il faut apprendre à pardonner. C'est une grande puissance. C'est parfois compliqué de pardonner, mais c'est important, ça nous libère, ça nous guérit. Et c'est ça Jésus-Christ en fait. Aimer et pardonner. Que Dieu nous aide à voir ce cœur. Que Dieu nous aide. Parce que la Bible dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Jésus dit quoi? Votre Père Céleste non plus ne pardonnera vos péchés. Donc si je veux que mes péchés soient pardonnés, je dois apprendre aussi à pardonner. Et voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Et que la grâce du Seigneur soit votre partage au nom précieux de Jésus de Nazareth. Et je prie que le Seigneur nous accorde la maturité et que le Seigneur accorde son pardon aux deux, à son serviteur et à sa servante. Que le Seigneur leur donne la paix du cœur, qu'il les guérisse de cette blessure, que la situation ne les détruise pas. Et que Dieu leur donne le cœur d'écouter le Saint-Esprit chacun de son côté. Pour le reste, le Seigneur disposera comme il voudra. Et si quelqu'un est d'un autre avis, que le Seigneur Jésus-Christ l'éclaire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc rendez-vous par la grâce de Dieu ce vendredi pour la nuit de flammes. Je serai là et heureux ceux qui seront présents. Parce que le Seigneur leur fera grâce. Dieu nous bénira, Dieu nous fera du bien. J'ai hâte d'être là cette nuit de flammes et de bénir quelqu'un. Donc viens avec ta famille. Vous savez qu'on est en train de préparer la période de composition. Et dimanche, on va prier pour tous les enfants. Je veux prier sur tous les enfants, les consacrer à Dieu pour les examens de fin d'année. Et Dieu sera notre force. Donc, demeurons en prière pour notre jeune soeur qui traverse ce moment compliqué. Au lieu de lui donner des conseils mauvais, donnons-lui des conseils dans la Bible. Qu'elle aussi, elle se souvienne de ce que la Bible, la parole de son Dieu enseigne. Et de même, nous demeurons aussi dans la prière pour notre frère, le prophète Emmanuel Dzoma. Nous prions pour lui et nous demandons à tous ceux qui ont l'amour de Christ de prier pour les deux, que le Seigneur les restaure. Tous deux sont encore très jeunes. Donc nous qui sommes des aînés, on doit les aider, les encadrer au lieu de les détruire en donnant des conseils qui peuvent les ravager. On ne gagnera en rien. L'amour de Christ doit triompher. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Je vous souhaite une très belle nuit dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ et que sa faveur soit notre partage. J'ai hâte de vous retrouver. Bye, shalom.